Voilà, donc c'est une méthode qui s'appelle Coutir no Batuque en brésilien. Ça veut dire l'agoutir au bâton. Donc les Amérindiens connaissent ça depuis des siècles, puisqu'à l'époque, quand ils chassaient à l'arc, il ne fallait pas que la proie soit plus de 8, 10 mètres, 12 mètres, c'était un maximum. Donc pour la faire venir, ils tapaient avec un bois par terre, et puis ils faisaient bouger les feuilles. Partant du principe que l'agouti, quand il découvre un manger, souvent, ou le mâle, quand il appelle la femelle, il frappe des pieds. Je crois que le lièvre fait ça chez nous aussi, taper des pieds, quoi. Tous ces rongeurs, lapins et compagnie. Et donc, il peut taper pendant un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure, jusqu'à qu'un autre vienne voir ce qui se passe. Donc, c'est quand même une arme à double tranchant, en sachant que les vibrations dans le sol peuvent faire venir les scorpions, le grâche-carreau, et puis évidemment les prédateurs comme le puma ou le jaguar. Donc, faut quand même avoir un œil autour. Donc, on va laisser tourner un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais pas, le temps qu'il faut, pour qu'un agouti passe, s'il y a un agouti dans le coin, évidemment. Et en principe, quand ils entendent ça, ils viennent voir, ils sont curieux, ils viennent voir ce qui se passe. Quoi. À ce moment-là, on filme. M'a vu ce salaud. M'a vu. Voilà. Et ça marche, mais faut être patient. Voilà, ça fait 25 minutes que je tape. Et généralement, s'il y en a dans le coin, il est attiré par le bruit. Il vient voir ce qui se passe. Voilà.